Bonjour tout le monde. C'est bien moi l'ingénieur Jita Boss. Aujourd'hui, na linga ki na mekampe ko essayer pour expliquer concept moko la musique ko tobi na ragam. Il y a beaucoup de gens où elle ba ragam, ba ragam ba mais peut-être que il joue la gamme en question mais a oui ba te signification la ranini gamme zanini parce que na kati ya domaine yo so pour mieux comprendre et avancer bien. C'est-à-dire faut comprendre élémentaire, notion élémentaire. Si tu comprends pas notion élémentaire, ça va pas te permettre yako avancer. Alors aujourd'hui, j'essaye yako partager là débutant y a guitare, débutant y a musique et puis voir même si ils peuvent toujours tirer quelque chose pendant la parce que dans la musique il y a pas ou ebi pour les cabatiniers, ils sont surtout essayer à faire un peu pour faire l'essentiel du monde. Alors, une gamme, c'est quoi? Pour moi, une gamme, c'est une succession de plusieurs notes jouées à des intervalles constants et dont la dernière note est la répétition de la première. Nous avons plusieurs sortes de gammes. Nous avons la gamme diatonique, la gamme chromatique, nous avons la gamme demi-diminuée, la gamme augmentée. Il y a plusieurs gammes. Mais aujourd'hui, moi, je vais commencer par la gamme diatonique. Pourquoi diatonique? On appelle une gamme, cette gamme-là, diatonique parce qu'il y a des intervalles des demi-tons diatoniques dans la quatrième gamme. Ils auront entre Fa, Nami et entre Si, Nado. C'est-à-dire quoi? Gamme est composée dans cette note. Première note, pour qu'il y ait la deuxième note, au sauter case moro pour l'abus sur la guitare. Deuxième note, pour qu'il y ait la troisième note, au sauter case moro. Troisième, pour qu'il y ait la quatrième, tu ne sautes pas aucun moment dans la case suivante. Quatrième pour qu'il y ait cinquième au sauté case. Allez, c'est-à-dire quoi? Je vais expliquer pour votre mon encore. Je suis comme ça. Dans un par exemple, dans la tonalité à do, pour la kindi, na ré, na sauté case, moko. Pour la kindi, na mi, na sauté. Pour la kindi, na fa, na sauté té. Pour la kindi, na sol, na sauté. Pour la kindi, na la, na sauté. Pour la kindi, na si, na sauté. Pour la kindi, na do. Donc, entre si na do, il n'y a pas une case qui les divise. Et entre mi, na fa, pe, il n'y a pas une case qui les sépare. Alors, pourquoi vous avez un mot demi-ton diatonique? Parce que directement, elles ont changé comme il y a note. Par contre, si par exemple, dans un ado, dans l'ina qui n'est rien, dans le comité, dans ce qui est dans la case 4, cette note ici s'appellera do dièse ou ré bémol. Mais vous verrez que ceux qui ont un ami, il y en a qui n'a pas directement comme on a changé. Dans la façon, il y en a qui t'a un ami et qui dit maman, comment on change. C'est la raison pour laquelle Baobin a un demi-ton diatonique. Et il n'y a pas que ce genre de demi-ton. Ça, c'est un demi-ton chromatique. Demi-ton chromatique, ils ont coexisté entre des notes où il y a une différence, il y a un ton, c'est-à-dire où il y a une case qui est séparée. Par exemple, ceux qui ont un do, ils ont un ré, ils ont un comité, ils ont un katikat. Demi-ton, il y a un demi-ton chromatique. Ça s'appelle approche chromatique. Maintenant, gamme nabiso, tobi ngango diatonique parce que il y a des demi-tons diatoniques entre troisième note, la quatrième note et entre septième note, na huitième note.